Voilà, week-end dans les Alpes suisses. Voilà, on part d'un village qui s'appelle Fionnet. On remonte un peu les traces du trail des Verbiers de l'an dernier. Donc là, première partie, on commence les alpages. On a traversé la forêt, on vient de là en bas. On est parti de Fionnet et on monte à Cabane Brunet pour commencer. Il y a 800 mètres de dénivelé, on est parti tôt ce matin. Et puis, le plus beau reste à venir. C'est déjà pas mal, hein. Donc des fleurs partout, alors pas ici, malheureusement, mais beaucoup de fleurs quand même à avoir. Et Maviro. Voilà, Cabane Brunet 2100, on est passé, on attaque le col des Avouillons qui est tout au fond là-bas. Et derrière, on verra plus tard. Voilà. C'est plutôt beau, il fait un peu couvert, c'est pas grave, c'est bien. Donc ça c'était la Cabane Brunet. Voilà. Là-bas au fond une cascade magnifique. Hop, à tout à l'heure. On arrive au col des Avouillons, qui est là-bas en haut. Montée sèche, rude, je vous la montre. Voilà. On vient de tout en bas là. Là, on vient en bas tout en haut. Bon, là, on est un peu dans le minéral, hein. Ah non, depuis maintenant. Et puis à un moment, le soleil n'est pas trop présent, c'est pas grave, ça nous arrange bien à ce moment-là. Hop là. Ah. Tin Can. Véro. Ok. À une centaine de mètres et on est ce premier col, puis une descente de 300 mètres sur la passerelle et ensuite remonter au refuge là où il y aura le glacier. Okay. Plus tard. Passerelle de Corbassière 2358, c'est le fameux 190 mètres de long. Ben, on va la faire ensemble comme je l'ai faite il y a un an. Cette fois-ci, c'est Véro qui s'y met. Donc, hop, ok. Non, mais hey, allez, je filme Véro, maintenant je filme en bas. Allez, chiche, je filme en bas maintenant. Avec donc le glacier, le combat, hein, le grand combat. Là, on repart sur l'Ourtier. Et nous, on vient de tout là-haut, entre la brèche là-haut. Voilà. Allez. Ça chavire un peu, hein, vous avez vu? Allez! Allez! Ah, petit coup en bas!
Ah. Un petit coup en bas. Bon, bonjour. C'est dimanche matin. Après une nuit de sommeil, bof, hein. Il y a du bruit, c'était compliqué quoi. Quand même dans le refuge, hein, ça sent, c'est de l'auto les refuges. En tout cas, le refuge était bien équipé. Voilà. On repart. Le matin, il fait un peu frais quand même. Voilà, on va direction le col des Otanes. Voilà, donc Héro est déjà à fond les ballons. Je vous laisse admirer. Le paysage, allez, je fais un 360 pour montrer que on quitte le refuge. La vallée en bas, on ira plus tard. On va monter, je crois, là-haut. Et hop, voilà, c'est parti. Attends, bon, à plus tard. Bon, voilà, on vient de passer le col des Avouillons. Des Botanes. Ok, on est à 2000, presque 2009. Voilà, et on va franchir une vallée par la neige. Et on a quitté le glacier. Il est encore là, au bout, d'un côté. L'autre, au fond, le grand combat, on l'a caché déjà. Et on vient de voir des chamois, juste à l'instant. En bas, en dessous. Bon, ils avancent plus vite que nous, hein. Voilà. Bon, on continue. Là, on a une descente. 1100 mètres à faire et puis on remontera de l'autre côté. Voilà, encore un sommet de plus.
Alors on a fait là-bas en face, il y a un col qui part de l'autre côté où on était. Donc, tout au fond en bas, il y a le lac où on était. Et de l'autre côté, on le sait ce matin, on est venu du glacier. On a monté voilà, le col en face et on est redescendu tout en bas. Pour remonter tout en haut, redescendre, remonter. Voilà, on arrive après une grosse descente au lac de la Louvie. Donc après il y a encore un gros dénivelé négatif. Mais voilà, comme c'est beau, c'était le dernier point qu'on voulait voir avant de retourner et de faire encore un 1000 dénivelé en moins. Mais ça, on voulait y aller absolument, quoi. Regardez. Pour voir l'ensemble, on vient de là-haut quelque part, hein. Voilà. Après comme dit, on aura vraiment un gros dénivelé négatif là, ça n'aura pas d'intérêt de filmer en fait, parce que ce qui est beau, c'est ça aura une grosse dernière partie avant la descente, le lac de la Louvie. C'est un barrage hein, au fond là-bas, un petit barrage pour une grande cascade qui descend sur Fionnet, de là où on est monté, avec une cabane. Donc là-haut, c'est le nom des refuges en Suisse. Hein. Voilà. Hop, dernier pierrier. À traverser. Ok. Bye bye.